about it, that they can do anything they want to us. We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary. And you're going to have to keep on saying that. You're going to have to say that I am a proletarian. I am the people. I'm not the pig. You've got to make a distinction. And the people are going to have to attack the pigs. The people are going to have to stand up against the pigs. That's what the pastors are doing. That's what the pastors are doing all over the world. Ability to define phenomena and make it act in a desired manner. Power is the ability to define phenomena and make it act in a desired manner. What kind of phenomena? Social phenomena. What is the social phenomena? Black people, Mexican-American, any kind of people begins to learn that the social phenomena is that, in fact, U.S. racist, decadent, capitalist, imperialist America is a police state. The Black Panther Party for Self-Defense is organized now throughout the nation. We are recognized internationally, and we advocate that all black people in America are taught what politics is all about and what our history is all about, so that we can have self-identity and we can know where our strength is, we will know our enemies, and we'll know our friends. Motion to have the pigs removed from the courtroom and the people brought in. And the fascist pigs refuse to even hear the motion, you know, because they recognize that it isn't the people's side. The people totally want to not be inside by their peer group, you know, because Helvin and Merkel are our peer group, and they have no right to try us. They have no right to accuse us of anything, you know. And I say, if the people want me to go on trial, I'm ready to stand trial for the people, you know. I feel like I haven't done anything. Committed any crimes against the people, and if the people want to put me on trial, I say right on to that. We ain't finna get it through marching. We ain't even finna get it through one uprising. We're not finna get it through one April 29th. We finna get it every day. You got all of us everywhere see it as a necessity that we struggle to fight back. We have that as a right. That is our right when we were born. God put it to your heart to self-defeat your motherfucking self. A long life, longevity, has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Oh, I don't worry. I'll tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. Most thuggish nigga out here. I have no motherfucking fear. I have no fear. I have only ambition, and I want mine. And I will do anything to protect and feed my family. Pac, on the other hand, I think Tupac pulled from Martin Luther King, Malcolm X. I don't know when it is that we're gonna make it to the mountaintop. But one day all the children will be able to play together. All the children, all the... It's like pouring those words out because you mean it. And that's why, you know, I never had a father figure. But I was raised by the thugs and the drug dealers. That's why I love niggas. I think it's gonna work out. I got it. I always wanted to make a book out of my life, like a fairy tale. Raised by the Black Panthers and strung out. Smoking weed wasn't everyday thing in my household. And drink a liquor till you out cold. And don't-
Mon Dieu. Est-ce qu'une seule vidéo est capable de résumer l'individu qu'on voit sur la photo là? Je pense que même parler de la vie de cet individu, c'est... On ne va pas le résumer juste à une vidéo, mais bon, je vais essayer quand même un peu. Au risque de surprendre beaucoup de personnes qui me connaissent, ça fait juste un an et demi que je me suis véritablement intéressé en profondeur sur sur Amaru Shako. Non pas que ça, j'étais pas pendant longtemps, j'ai pas été, je veux pas dire, c'est-à-dire que l'histoire de Amaru Shako pendant longtemps, j'étais pas intéressé à savoir qui il était tout. Ce qui est sûr, je respectais l'acteur. L'acteur par rapport au film, genre, hein, le premier film de Amaru Shako que je vois de Tupac, c'est Gangrel-Tête et tout. C'est le premier film que je vois avec James Belushi. C'est le tout premier film que je vois de lui. Et je me rappelle que moi, ça m'avait déjà fasciné parce que je disais, mais ce mec-là qui a tout le temps les problèmes avec la police, il arrive à jouer aussi bien en policier véreux, mais à un niveau, j'étais fasciné par le fait qu'il était acteur. Après ça, je crois que j'avais vu encore l'autre film avec Tim Roth, là, qui s'appelait Grindlock, et j'étais fasciné. J'ai dit, mais c'est un grand acteur. C'est un super acteur, en tout cas. C'est ça qui m'avait fasciné au tout début. Mais après, j'avais jamais essayé de aller en profondeur sur les personnes. C'est mon grand frère, à son âme, qui avait une grande fascination pour Tupac. Il avait une grande fascination pour Tupac. Déjà, même un peu, bon, ça c'est une petite anecdote, il se ressemble. Mon grand frère avait un peu le même physique de Tupac. Je crois que c'est même pour ça que les femmes l'aimaient beaucoup. Il avait le même physique que Tupac. Donc, il aimait beaucoup. C'est mon grand frère qui aimait très fan de Tupac. Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un qui m'a fasciné jusqu'à, on va dire, il y a 2 ans où je me suis intéressé à lui. Moi, généralement, les artistes de hip-hop qui me fascinent, c'est un peu plus les mecs comme Tech N9ne, les mecs comme POS. Je sais que les gens vont me dire c'est qui ce mec et tout. C'est pas le sujet. André 3000. Et si je me trompe pas, le quatrième nom que je vois, MF Doomedy aussi. Bref, les gens un peu. Comment dire un peu? Les gens un peu. Extravagants. Et pendant longtemps, Tupac ne m'a pas fasciné. Et je me rappelle, il y a un an et demi, 2 ans, j'étais, comme d'habitude, sur mon ordinateur en train de surfer. Je vois une vidéo sur la jeunesse de Tupac, quand il était juste un simple élève à l'Académie School de l'Académie du School Art de Baltimore. Et c'est là où ça a cliqué. Regardez d'abord cette vidéo. So we moved to Baltimore, which was total ignorance town to me. I mean, Baltimore has the highest rate of blacks killing blacks in the country. When I auditioned for the Baltimore School of Performing Arts, then I started to have good luck times. Parents all the same, no matter time or place. They don't understand that us kids are going to make some mistakes. So to you other kids all across the land, there's no need to argue, parents just don't understand. I spent 3 years in Baltimore, my high school years. I made a lot of friends, like John Cole and Jada Pinkett. Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Fuck yeah. I loved my classes. We were exposed to everything. You know, theater, ballet. Listen to different types of music. Songs that became the soundtrack to my life. But in my homeboys' high school, it's not like that. They don't have trips to go see this Broadway play, and they don't read things we were reading, and they didn't know what I was talking about when I was like, yo, Shakespeare is dope. They don't have the same experiences that we had.
So then I started thinking, as the art school I went to was mostly for white kids and rich minorities. So I started going, damn, man, I would have been a totally different person had I not been exposed to these things. I need money. I used to be a stick-up kid, so... Comment j'ai été sur les genoux quand j'ai vu cette vidéo, de découvrir déjà un comment quand il était dans justement cette académie là de Baltimore là, comment il était un danseur de ballet, son amour pour Shakespeare, le fait qu'il aimait la bande son des Misérables, et en plus dans la tracklist des morceaux qu'il aime le plus et tout, Tu vois Everything But A Girl, tu vois Kate Bush, tu vois Frank Sinatra, tu vois... Il y en a, ça c'est une partie, celle que je vous montre là, c'est une partie. Qui, il y en a d'autres, parce qu'il y en avait plusieurs, il y avait aussi des textes que sa mère a vendus, je crois, je ne sais pas si c'était 3 ans ou 4 ans après sa mort, elle avait vendu des textes de son adolescence un peu là, je crois que le texte là, il avait été vendu. Le truc, on voit la tracklist un peu des morceaux qu'il kiffait quand il était petit. Ça a été vendu, je crois, 6 000 ou 7 000 dollars, si je ne me trompe pas. Et moi, à partir de là, j'ai dit, oh là 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 là, mais ça, c'est les goûts musicaux que j'ai. C'est pour ça que ça m'a frappé. J'ai dit, attends, c'est pas ce que j'imaginais quand je voyais Tupac. Et quand je me rends compte qu'en fait, il avait les goûts musicaux, ses goûts musicaux, c'est... Cet éveil à ce genre de choses-là, je me suis dit, ah, ok, je vais véritablement m'intéresser en profondeur, non seulement sur le documentaire qu'il a eu, et m'intéresser à sa vie, et m'intéresser aussi à les interviews dont il a posé, et à s'intéresser enfin véritablement à la discographie qu'il a sortie. D'ailleurs, même ce qui a fait l'objet de la vidéo, c'est quand je suis parti regarder le documentaire de Alan Hughes, Dear Mama, qui justement fait un parallèle entre la vie de Amaru Shakur et la vie de sa mère. Franchement, tu peux pas parler de Tupac sans parler de ça. C'est sa maman est un personnage tout aussi fascinant, elle a une vie fascinante aussi cette dernière, une force comme j'ai rarement vu chez une jeune fille de 23 ans. Justement, on fait un parallèle avec sa vie, avec justement le, comment ils appellent ça, le Panther 21 Trial, là où on avait, le FBI avait attrapé 21 membres de Black Panther, et elles étaient accusées de conspiration, d'attentat, je pense, d'attentat à la bombe, tout, je ne sais quoi. Et elle s'est portée garante de défendre justement ses confrères Black Panther avec qui elle était accusée aussi. Elle qui n'avait pas de formation dans le droit, elle qui n'avait pas de formation fondamentalement d'avocate, mais pour dire, les Black Panther, ce sont des gars qui étaient excessivement cultivés, qui avaient une forte connaissance du droit judiciaire. Ils étaient excessivement cultivés, ces individus. Excessivement cultivés et parfois très organisés. Et elle s'est portée garante, justement, de défendre ses compères, parce qu'elle était aussi accusée, et elle s'est portée, alors qu'elle n'avait jamais eu des études de barreau pour devenir avocate ou tout. Et à la grande surprise, elle a réussi à faire en sorte que ses confrères et elle ne soient pas arrêtés. Elle a battu le système judiciaire. Ce qui était vraiment un truc hallucinant, en fait. Donc, Afeni Shakur est un personnage tout aussi fascinant. Justement, la vie d'Afeni Shakur, ça permet de comprendre justement d'où vient ce côté révolutionnaire de tout ça. Parce que quand tu vois, pas seulement Afeni Shakur, mais même sa tante Assata, son beau-père Mulatu, qui a été prisonnier politique, il a été enfermé par le FBI aussi, montre que vraiment ses racines viennent du mouvement révolutionnaire des Black Panthers. Et plus on avance dans le documentaire, plus on voit la vie d'Afeni Shakur. Elle est vraiment en parallèle avec la vie aussi de Tupac, parce que ils ont à peu près eu un peu les mêmes obstacles avec la justice et avec la justice et le système judiciaire un peu américain qui n'hésitait pas tout le temps
tout a frappé fort les Black Panthers. Hein. Et même ce qui m'a marqué le plus aussi quand je regardais beaucoup les documentaires, c'est la manière dont on voyait, quand tu regardes les discours de Bobby Seale, quand tu regardes les discours de Huey Newton, quand tu regardes les discours de qui encore là? Bobby Seale, Huey Newton, et presque tout là, même Kwame Touré, tous ces gars-là. Et tu te rends compte que quand tu écoutes les disques de Tupac, Tupac parle comme ces mecs-là. C'est-à-dire que c'est pas Tupac, pour moi, c'est pas le gars qui a les lyrics les plus fous, il rappe, il n'a pas les lyrics imaginaires de MF Doom, n'est pas Nas, n'est pas Jay-Z, mais chaque phrase, chaque syllabe, chaque mot, bref, chaque mot qui sort, tu ressens l'émotion derrière. Comme un peu l'a expliqué au début quand je vous montrais sur l'intro de Chuck D et autres et tout. Et ça, c'est véritablement l'héritage des Black Panther, l'héritage véritablement de ces combattants-là qui l'a amené. Mais comme lui, il avait, je pense, une autre stratégie. Je pense que Tupac avait une autre stratégie un peu par rapport à la manière dont il voulait justement conscientiser son peuple. Il se disait, tu vois, ma génération, elle ne pourra pas écouter l'ancienne génération vraiment des Black Panthers de la même manière. Pourquoi pas devenir rappeur, devenir activiste et rappeur et implémenter justement mes éléments d'activiste là-dedans pour mieux toucher le mec du quartier, le mec du ghetto, le thug qui n'a pas justement eu accès à la culture, à tout à la culture, pouvoir parler à au gars du ghetto, qui n'a pas eu accès justement à la culture dont j'ai eu la chance d'avoir eu en ayant grandi dans une famille de militants. Alors, je pense que c'est ça qui a été une réflexion à un moment donné dans sa vie, dans ce qu'il voulait accomplir et tout, dans ce qu'il voulait accomplir un peu dans sa vie. D'où la fameuse philosophie Thug Life, là. Putain, c'est le mec qui s'est même tatoué ça sur son ventre. Tu me vantes. Mon Dieu. Bref. Hey, tu le ventre. Bref. D'où même sa philosophie de Thug Life là, qui, au-delà des aspects que les gens malheureusement ont pris au premier degré, ils n'ont pas compris véritablement le message. Qu'il voulait faire, c'est que dans Thug Life, il essayait vraiment d'embrasser toute la culture gang, toute la culture même gang, street et tout. Mais dans cette façon d'embrasser vraiment justement toute cette philosophie-là, il a une définition de la Thug Life, comme vous allez le voir sur la vidéo que je vais vous montrer. GLIFE, the hate you gave little infant, PCK, everybody. Meaning, what you feed us as seeds grows and blows up in your face. That's Thug Life. Tupac found himself in a similar dilemma. Like Prodigy, he had a cultured mother who raised him to be incredibly informed about arts and politics. Tupac didn't grow up writing raps. He grew up writing introspective and revolutionary poems. He was exposed to the same kind of energy as Prodigy. I always felt Pac and Prodigy were art students who adopted thugging as a theme, instead of embracing all of the culture and pride they had been exposed to. They tried to run in the opposite direction. By doing that, they ran into a trap. In Prodigy's case, it meant getting lured into a battle with Jay-Z he could never win. Pac paid a much heavier price. By raising the thug flag so high, he sent out a very dangerous signal, one that attracted all of the real thugs to him. Once they were present, there was no way that he can control that energy. It would have been difficult for a true gangster, but for an art kid like Pac, it was outright impossible. It was that energy that ended up getting him killed. You feel me? And when I say thug life, I mean that shit. Cause these white folks see us as thugs. I don't care what y'all think. I don't care if you think you a lawyer, if you a man, if you an African American, if you whatever the fuck you think you are. We thugs and niggas to these motherfuckers. You know? And until we own some shit, I'ma call it like it is. Thug Life, il avait toute une définition. The hate you give little infant fuck everybody. La haine que vous renvoyez à vos enfants va vous retomber dessus. Et ça là, c'était pas seulement la haine qui représentait du gouvernement américain, mais aussi l'abandon des anciens
on va dire, des anciens combattants comme des Black Panthers et tout, parce que quand tu rappelles après tous ces événements sur les Black Panthers et tout, les gangs, grands opposants, tous les grands opposants dans les années 70, beaucoup d'entre eux sont devenus des, avec, bon, la frustration justement du combat, beaucoup d'entre eux sont devenus des drogués, beaucoup d'entre eux, c'était des mecs qui finissaient alcooliques, des trucs, et beaucoup d'enfants, comme la génération de Tupac, c'est des gens qui avaient grandi sans père, sans figure paternelle, sans ce genre de personnage, sans ce genre de personne-là. Donc, ce qui fait que la haine aussi, elle est dirigée contre ces gars-là, et que, ah, nous, qui avons grandi à côté des gangs, qui avons grandi avec les trucs, c'est, les gangs ont été nos pères, les gangs ont été nos familles. Donc, on va s'organiser entre nous pour pouvoir répondre à l'oppression vraiment de la société en général et de la société blanche, en fait. Donc, dans toute cette philosophie-là, c'était, il embrassait vraiment tout le côté thug pour pouvoir le révolutionner. Mais même si à la base, c'est pas quelqu'un qui vient véritablement d'un milieu comme ça. C'était vraiment embrassé pour pouvoir non seulement conscientiser et tout. C'est pour ça que quand tu regardes les groupes qu'il a formés après, Thug Life, Outlaws, après quand ils étaient à Death Row, Thug Life, après Outlaws, c'est sa version des Black Panther. C'est sa version de la nation islam. Thug Life, Outlaws et tout, c'est sa version des Black Panthers, c'est sa version de l'islam. Parce que quand tu écoutes les albums de Thug Life, quand tu écoutes les albums même de 7 Day, Machiavelli et tout, c'est les thèmes que tu peux retrouver un peu dans Malcolm, dans Louis Newton, c'est les mêmes thèmes, même s'il y a aussi des chansons un peu plus joyeuses et tout. C'est pour ça que je dis souvent All Eyes on Me est l'album le moins intéressant de Tupac, parce que c'était un album qu'il a fait vraiment en mode Death Row. Un album vraiment de party, c'est vraiment pas un album dans son propre mindset. C'est pour ça que si tu veux écouter Tupac, c'est Tupac Calypso Now, c'est Thug Life, c'est Strictly for My Niggas, c'est Me Against the World qui est le meilleur album qu'il a fait, et c'est surtout, surtout, 7 Day Kilometer. All Eyes on Me n'est pas vraiment un album de Tupac. Quand tu comprends un peu le personnage, quand tu commences à voir un peu qui il est, c'est vraiment pas cet album. Donc quand tu vois ça, tu te rends compte que il avait recréé vraiment ces versions des partis politiques avec, mais à travers le hip-hop. Thug Life, c'est les Black Panthers. Outlaws, c'est son autre version des Black Panthers. Quand tu réfléchis même très bien à ça, tu te dis, mais attends, quand on regarde un peu l'histoire des Black Panthers, des membres des Black Panthers, Elrich Cleaver, Huey Newton, ce sont des anciens gars de la rue, ces mecs. Et le Rich River, quand tu regardes même son livre Solo Nice, c'est un mec, c'est un ancien gars de la rue. Je préfère me censurer parce qu'il y a d'autres choses qui sont assez choquantes dans ce livre-là. Mais bon, ceux qui veulent le livre vont le lire. Mais dans ce livre-là, il y a des choses assez choquantes quand même. Surtout sur ce qu'il fait, à certaines fois. Mais ce sont des mecs de la rue. Huey Newton, c'est un gars qui était certes cultivé, qui avait fait le collège et tout, mais c'était un mec quand même de la rue, dans son comportement. On va prendre encore un autre exemple, Malcolm X, avant d'entrer à la Nation d'Islam, avant qu'il ne soit en prison, parce que c'est pas la prison qu'il a connu les livres des liens à Mohammed pour arriver à la Nation d'Islam. Malcolm X, c'est un pimp. C'est un pimp. C'est un gangster, Malcolm X à la base. C'est un gangster. À la base, ce gars. Donc, il part justement de ce côté. Dans la salle, il va dans la prison, il lit les livres de Niyar Mohammed, il entre dans la nation islam. Donc, quand Tupac va dans le postulat justement d'embrasser justement ce thug life et autres et tout, la plupart de ces activistes politiques afro-américains, la grande majorité, ce sont des mecs qui viennent de la rue. Ce sont des mecs qui sont des street guys. Et on sent c'est quelqu'un qui avait compris ça. Ce sont des gars qui viennent de la rue. La plupart, quand tu vois même les gens qui composent, souvent même certains membres de la Nation Islam, c'est souvent des anciens pimps, gangsters, et les sœurs sont souvent des anciennes prostituées, call girls, qui ont été remises sur le droit de chemin. Souvent, c'est ça.
C'est pour ça que le Thug Life, ça avait une certaine logique par rapport à ce que Tupac, qui était un très 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 bon étudiant justement de cet activisme politique, il avait vraiment essayé de le révolutionner d'une autre manière. Bon, et c'est pour ça que son impact est aussi grand. Mais bon, on va pas aussi, faut quand même l'avouer, c'est pas le premier à, comment dire, à parler des sujets sensibles dans l'hip-hop. L'hip-hop, c'est d'abord quelque chose qui est né sûrement foncièrement de parler des choses sensibles. Il y a eu des gens avant qui quand même en parlaient, Charisma de Criminal Mind, Chuck D de Public Enemy, Ice Cube de N.W.A. Putain, Ice Cube, non seulement dans N.W.A., mais son premier album solo, là, produit par le Bomb Squad, America Most Wanted. Mon Dieu, cet album-là est malade mental. C'est déjà dans ce thème. Là. Mais Tupac, c'est lui qui a amené. Non seulement il parlait de ça, mais il amenait encore sa propre introspection. Par exemple, les rappeurs n'avaient jamais ce côté de d'être introspectif dans la musique. C'est lui, Dear Mama, Brenda Got a Baby, Dear Mama, Keep Your Head Up, tous ces sons-là. C'est des choses qui ont changé le hip-hop. Parce que y avait de l'introspection. C'est la première fois que tu vois un gars qui faisait un son sur sa mère. Tous ces sons-là ont influencé après tout ce que tu as vu après dans le hip-hop. Quand tu vois, par exemple, même si c'est un peu dans un autre domaine, quand Eminem fait I'm Sorry Mama, tu sens ça l'influence quand même de Tupac, même si c'est dans une dynamique différente. Puis ça même l'explique très bien même dans cette vidéo. Eminem's mom, the drug usage was a part of it, and he would do, "Sorry, mama, I never meant to hurt you." I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. And then Tupac's mom also had some drug usage and shit involved in her experience. And he said, "Even though you was a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama." Even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. And I think the tones of anger and the difference in the two of them and the artist are M's anger is coming from things were supposed to be. Tupac's statement is almost like a it's terms of endearment in it because it's like, well, we always was still all I had. It's both the same scenario, but different ways of expressing experience. Même si la perspective est différente, il part juste du postulat dans un son qui est introspectif. Et c'est ça, c'est l'influence que Tupac a eue sur lui-même. Même quand tu regardes un son comme celui-là. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't. Body run for cover, I call sick. Third life, motherfucker, I duck quick. Now am I wrong? If I am, don't worry me. Cause do it live, getting hot till it bury me. Dear Lord, if you hear me, tell me why. C'est ça que tu remarques justement quand tu écoutes Eminem et Eminem. Tu ressens l'influence qu'il a eu de Tupac. Ça ne m'étonne même pas qu'il a apparu dans le documentaire après. Parce que tu sens qu'il a été fan de Tupac. Parce que de cette façon, quand tu écoutes The Way I Am, c'est un son que Tupac aurait fait. C'est un son qu'il aurait fait dans la manière, dans l'expression de l'émotion, de la haine, de la rage qu'il a par rapport à une situation. The Way I Am, c'était pour les médias, je pense. N'avait pas changé. Les médias et son label. C'est la même émotion, la même rage, la même frustration. Comment le sortir sur un disque? C'est ça, c'est pas qu'il a influencé ça. On continue même encore sous l'influence encore de Tupac. On peut le voir sur DMX, on peut le voir sur Ja Rule, on peut le voir sur. Je dirais encore qui. Bon, il y avait ce Zozo, la Lil Zane. Lil Zane, c'était un Zozo. Même Lil Wayne aussi. Lil Zane avait la même voix que lui. Lil Wayne, bon, c'est un peu. Même Postu, Torsu, tous ces bonnes-là. Mais Kendrick Lamar est celui aussi qui est un peu le l'autre étudiant qui a mieux un peu compris le thème et de Tupac et qui, si je veux un peu le truc, To Pimp a Butterfly est littéralement un album qui parle de Tupac. To Mortal Man with Tupac. And you can look at him as like this type of guardian angel. You know, so he's had a talk with the devil, and then it's Tupac to kind of have that conversation with him about just how he saw things and how, you know, he's had to deal with it. And then for him to read that point and then he's just gone.
you know, and the way the beat was all the instrumental was great, and how they made it, how they built that climax into it, and how it just swelled towards the end. Yeah, at Q Got No Rings tweeted this to me, Six Man of Dead End Sports every Tuesday 9 p.m. Blog Talk Radio. He tweeted this to me. He said, "Two pimp a caterpillar," which of course you take the number two and then the PMC from all over, like Tupac. I didn't even pick that out, but I thought that I was interested that he did. So when did you decide upon to pimp a butterfly? Did you know coming in that's what it was going to be, or was there a process of recording and filling out in the studio, and then the concept for this album came to you? The concept, I knew that was going to be the concept. I didn't know if that was going to be the title. What's a trip about that title? And I just seen on this blog called what's that Top Dog? No, Dead End Hip Hop. What's that Dead End? When they was talking about To Pimp a Caterpillar. Yeah, To Pimp a Caterpillar. That was the original name, and they caught it because it the abbreviation was Tupac. Tupac. And that was the original point once I got the interview. Okay. You know what I'm saying? So right. I'm coming with the idea, and me changing it to butterfly, I just really wanted to show the brightness of life, and the word pimp, it has so much aggression. Right. And that represents several things. For me, it represents using my celebrity for good. Right. You know what I mean? Another reason is not being pimped by the industry, right, through my celebrity. Geek. Un grand acteur. Doug. Sex symbol. Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Oh, fuck yeah. Un bourreau de travail. Un activiste révolutionnaire. Un mythe. Tupac était tout ça à la fois. Il était tout ça là et bien plus encore. Quand on se pense qu'il a réussi à avoir cet impact à l'âge de 25 ans, que depuis 25 ans, son impact reste encore toujours intact, que tu vas en Chine, que tu vas dans n'importe quel coin du globe, le nom Tupac résonne chez tout le monde. Parce que son âme était puissante, sa volonté était puissante, ses convictions étaient puissantes. Et c'est un personnage qui est complètement au-dessus du hip-hop, c'est un mythe. Et quand je pense à certaines personnes qui se tracassent la tête à jeter leur milliard pour créer des musées à leur nom, pour qu'on ne les oublie pas, ça me fait doucement sourire, suivez mon regard. Mais pour revenir au sujet, Tupac est un personnage excessivement fascinant à explorer, et c'est vraiment avec une certaine émotion que j'ai réussi à quand même à faire cette vidéo là, parce que ça m'a ouvert vraiment les yeux sur cette icône qu'était ce monsieur. Merci encore à tous pour avoir vu, pris le temps de regarder ma vidéo, et à la prochaine. Remember, you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in a hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers until I came home. But that didn't stop survivor's guilt. Going back and forth trying to convince myself the stripes I earned. Or maybe how A1 my foundation was.
But while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one. A war that was based on apartheid and discrimination. Made me want to go back to the city and tell the homies what I learned. The word was respect. Just because you wore a different gang color than mine's doesn't mean I can't respect you as a black man. Forgetting all the pain and hurt we caused each other in these streets. If I respect you, we unify and stop the enemy from killing us. But I don't know. I'm no mortal man. Maybe I'm just another nigga. Shit, and that's all I wrote. I was gonna call it Another Nigga, but it ain't really a poem. I just felt like it's something you probably could relate to. Other than that, now that I finally got a chance to holler at you, I always wanted to ask you about a certain situation, about a metaphor, actually. You spoke on the ground. What you mean by that? What the ground represent? The ground is gonna open up and swallow the evil. Right. That's how I see it. My word is born. I see, and the ground is the symbol for the poor people. Right. The poor people is going to open up this whole world and swallow up the rich people. Because the rich people are going to be so fat and they're going to be so appetizing. You know what I'm saying? Wealthy. Right. Appetizing. The poor are going to be so hungry. Poor and hungry. Right. You know what I'm saying? It's going to be like, you know what I'm saying? It's going to be, it might be some cannibalism out this month. They might eat the rich. You know what I'm saying? All right, so let me ask you this then. Do you see yourself as somebody that's rich or somebody that made the best of their own opportunities? I see myself as a natural born hustler, a true hustler in every sense of the word. I took nothing, I took the opportunities. I worked at the most menial and degrading job and built myself up so I can get it to where I owned it. I went from having somebody manage me to me hiring the person that works my management company. Yeah. I changed everything. I realized my destiny in a matter of 5 years, you know what I'm saying? And made myself a millionaire. Right. I made millions for a lot of people. Now it's time to make millions for myself, you know what I'm saying? I made millions for the record companies. I made millions for these movie companies. Now I make millions for us. And through your different avenues of success, how would you say you manage to keep a level of sanity? By my faith in God, by my faith in the game, and by my faith in all good things come to those that stay true. Right. You know what I'm saying? And it was happening to me for a reason. You know what I'm saying? I was noticing shit. I was punching the right buttons, and it was happening. So it's no problem, you know? I mean, it's a problem, but I'm not finna let them know. I'm finna go straight through. Would you consider yourself a fighter at heart, or somebody that only reacts when they back is against the wall? Shit, I like to think that in every opportunity I've ever been threatened with resistance, it's been met with resistance. And not only me, but it goes down my family tree. You know what I'm saying? It's in my veins to fight back. All right, well, how long you think it take before niggas be like, we fighting a war. I'm fighting a war I can't win, and I want to lay it all down. In this country, a black man only have like 5 years we can exhibit maximum strength. And that's right now, while you a teenager, while you still strong, while you still want to lift weights, while you still want to shoot back. Because once you turn 30, it's like they take the heart and soul out of a man, out of a black man in this country. And you don't want to fight no more. And if you don't believe me, you can look around. You don't see no loudmouth 30-year-old motherfuckers. That's crazy, because me being one of your offsprings of the legacy you left behind, I can truly tell you that it's nothing but turmoil going on. So I wanted to ask you, what you think is the future for me and my generation today? I think that niggas is tired of grabbing shit out the stores, and next time it's a riot, it's gonna be like bloodshed, for real. I don't think America know that. I think America think we was just playing, it's gonna be some more playing, but it ain't gonna be no playing. It's gonna be murder. You know what I'm saying? It's gonna be like Nat Turner, 1831, up in this motherfucker. You know what I'm saying? It's gonna happen. That's crazy, man. In my opinion, the only hope that we kinda have left is music and vibrations. A lot of people don't understand how important it is. You know, sometimes I can like get behind a mic and I don't know what type of energy I'm gonna push out or where it comes from. Trip me out sometimes. Because it's spirits. We ain't even really rapping. We just letting our dead homies tell stories for us. Yeah.
I wanted to read one last thing to you. It's actually something a good friend had wrote, describing my world. It says, the caterpillar is a prisoner to the streets that conceived it. Its only job is to eat or consume everything around it in order to protect itself from this mad city. While consuming this environment, the caterpillar begins to notice ways to survive. One thing it notices how much the world shuns him, but praises the butterfly. The butterfly represents the talent, the thoughtfulness, and the beauty within the caterpillar. But having a harsh outlook on life, the caterpillar sees the butterfly as weak and figures out a way to pimp it to its own benefits. Already surrounded by this mad city, the caterpillar goes to work on the cocoon, which institutionalizes him. He can no longer see past his own thoughts. He's trapped. While trapped inside these walls, certain ideas take root, such as going home and bringing back new concepts to this mad city. The result? Wings begin to emerge, breaking the cycle of feeling stagnant. Finally free, the butterfly sheds light on situations that the caterpillar never considered, ending the internal struggle. Although the butterfly and caterpillar are completely different, they are one and the same. What's your perspective on that? Pop. Pop.